Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite dilution, la solution de permanganate de potassium. J'ai mis des gants. Pourquoi? Parce que le permanganate s'attache et on ne sait pas forcément si c'est bon pour la peau. Bon, c'est pas mauvais, mais voilà. Alors, comment fait-on? On va prendre notre permanganate dans un bécher d'une taille relativement plus petite. J'ai mon matériel, je prépare tout, j'ai ma fiole ici, j'ai déterminé les volumes à prélever. J'ai ici une pipette jaugée à deux traits, et la propipette que je vais adapter dessus. Ce que je fais, je vide l'air, si elle fonctionne, ouais, par le bas, hop, c'est parti, je l'adapte. Pour le prélèvement bras tendu, je mets les yeux au niveau du trait de jauge. Et comme vous voyez, j'ai bloqué le bécher. Il ne peut pas bouger. Plusieurs options. Voilà. On voit. Et je vais jusqu'au trait de jauge en haut. Voilà. J'y suis. Je retire. Top. Donc maintenant, on va vider le contenu de la pipette. C'est le bouton sur le côté de la propipette et on va jusqu'au trait de jauge du bas. Donc je place mon œil au niveau du trait de jauge et le ménisque, c'est-à-dire le petit, la petite bosse vers le bas, doit être tangent à ce trait de jauge. Ce que j'ai fait. Hop, voilà. Je finis de vider. Pour éviter de mettre mon, comment dire, mon permanganate n'importe où. Bon, alors j'ai de la place moi sur cette paillasse. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je rajoute de l'eau ici, comme ceci. J'évite de toucher les bords, c'est mieux. Voilà. J'hésite pas. Voilà. Donc, je rappelle que diluer, c'est partir d'une concentration de départ élevé et d'obtenir une concentration de la solution plus faible à l'arrivée. Et je vais ensuite mettre de l'eau jusqu'au trait de jauge. Si j'ai un petit doute, alors meilleure solution, si j'ai un doute, hop, pipette Pasteur. Là, vu que la pipette Pasteur est propre, je peux ouvrir. J'introduis et je vais mettre de l'eau jusqu'au trait de jauge. Voilà. Voilà. Je me génèse. Hop. Je laisse toujours le doigt dessus. On ne sait jamais si ça tombe. Et je viens de diluer. Donc, j'ai mis 10 ml dans une fiole de 50 ml. Facteur de dilution 5, c'est-à-dire ma concentration finale est 5 fois plus faible que ma concentration initiale. Voilà, je vous remercie.